La deuxième invitation. Salut madame Mondenge, bon dimi, konanda biso lisusu na poso oyo, c'est à début il y a semaine grand forum sur Perfect Télévision. Merci pour la fidélité nabino, merci pour la Kinshasa, Brazzaville, Gabon, Cameroun, boza ebele, boza na biso na Zambie précisément, boza na Lubumbashi wana Congo, boza na Kasai, même na est. La grande partie est, il y a République démocratique du Congo. Merci pour la fidélité, sans oublier. Clin d'œil, la bande de Kobazana End, Baza Kolanda Bisso. Merci parce que le message Nabino Eza Kokomela Bisso. Le lotoza 13 février 2023. Tobandi, semaine Yasika, Awana Perfect Télévision. Encore une fois, Toza Kokanisan, de Konabiso Manix Ienda, Oyo, jusqu'à présent, Toza n'a difficulté à retrouver, à retracer, et Sika Azali Manix Ienda, 16 jours pratiquement depuis que Azali qui est enlevé, et personne ne sait dire précisément et Sika Azali, mais quelqu'un a Pessibiso information que Komaki et Sika Oyo Manix a Kokikozala. Mais seulement, information a Pessibiso Eza que yo qui était, tout n'y de l'autre côté, rien n'a été fait par rapport à Yepelikamo, Fandi Sekuna et Yebani Nanouté. Voilà, information, Oyo, à Pessibiso et à Gouana, mais au moins, à Mounaki, et Sika, cellule, et Sika, Fandi Sie. Alors, on attendra peut-être qu'il y a quoi approfondir, question, wana pour toujours beaucoup plus de précision. Toza, peut-on rappeler par rapport à l'information, la situation dans l'Est, il y a la République, Kuna, source et belé, prendre plus que la ligne de front, FRDC contre M23, Rwanda, et Kuna, le calme, Ezalaki, dimanche, Oyo, Bundite, Nenge Massassi et Betaki, na Mikolo Ezali Koleka, mais on a constaté que Kimia Ezalaki, na Massisi, na Ruchuru, bombardement, après justement, bombardement, il y a samedi, sur les positions, il y a M23, na localité, il y a Kabati, Karenga, Kiroliroué et Kunezana, 30 km justement, il y a Sake, Balobi, dimanche, moi, Kimia, Mindondo, Penza, et Zala quitté, on ne sait pas, est-ce qu'elle peut répondre, mais porte-parole, il y a Forces armées, la République démocratique du Congo, Balobi, Baza, déterminé, il y a qu'au déloger, ennemi, et si Kanyoso, il y a Azali, dans le territoire, Nyoso, Oye, a occupé, Kotikate, ils vont poursuivre, frappe Nabango, déjà la semaine, on a, vous avez vu le communiqué. Il y a un M23 en train de pleurnicher d'ailleurs par rapport à notre bombardement. Awalinga Blatissa, FRDC beurre pour Nakolobake, a bombardé aveuglement sur civil, ce qui n'est pas le cas. FRDC a lobby, a yebi, yemoko, stratégie linatier en place, justement pour que a frappé rien que ennemi, occupant et a zan a problème na population. Je crois que c'est beaucoup plus clair. Tozana Cédric Bongongo, a zan a biso et longo. Il y a G4, G4 est un parti politique, il y a Union Sacrée, de Bongongo Mbote. Mbote, Ndeko Jacques, Mbote, Naba, Komoman, Nyanso, Rwanda, Bisson, Tamo, Alelo, et puis Mbote, Naba, Naba, Nyanso, Yacham, on va te présenter, excuse, Naba, les directeurs, pendant que Souna, Yacham, il y a trop des embouteillages, et puis un problème sérieux. Ok, merci. Mbote, Naba, Nyanso, Yacham, et puis. Moi, le problème sérieux avec l'embouteillage, c'est qu'on a vraiment transport demi-terrain, c'est vraiment que bon, ma raison pour laquelle on a même l'arrêté. Et puis, on a PCP, qu'on débatte, on a une beauté. Merci. Tout ça, on a Joe Maëlé, il y a MDECO, il y a Gabriel Mokian, de Kojo, beauté. Beauté, mon coup, Jacques. Beauté, on a un moment, on a un côté à la Bissot. Une fois de plus, merci de la confiance au renouvelé envers Ngaï pour l'invitation au Kolobé, la Marambotali. République démocratique du Congo, Mbote na bananyonso ya MDECO, cadre comme militant,
et puis mbote spécial na ndeko Gabriel Mokia. Vous savez, il y a de cela quelques jours, il y a une tractation pour nous signer charte Union Sacrée. Ndeko Gabriel Mokia aujourd'hui est parmi les têtes d'affiche Union Sacrée. Je suis en train de les féliciter parce que nous venons de signer la charte de l'Union Sacrée. Okay. Et Ndeko Gabriel Mokia est parmi les têtes d'affiche. Gabriel Mokia a Félix Tshisekedi. Il a authentifié, il a certifié semaine passée en signant la charte à Union Sacrée. Alors, je suis bon, en train de... Bazan on a tractation. La tractation, ça signifie tu signes nan nous biso ba partie au tu as la partie intégrante comme ça après de toi ba nanya rejoindre ni nanya rejoindre mais Ndeko Gabriel Mokia a confirmé que son parti le mouvement des démocrates congolais fait partie à Union Sacrée en signant ces documents là. Donc quand on a signé document là, ça signifie azali na candidat mususuté et nous sommes en train de soutenir aussi sa vision. Donc il y a un appel sa moi précision. Merci. Ndeko ya PPRD à Zananzela, Koko Melabiso, Poto Solola, Makamboto Bongisi, Mokonalelo. Je rappelle aussi que Lisanda Bonganga, Jean-Pierre, Ia Bongisi, Mess Moko et Kosalema jeudi, la Notre-Dame du Congo, Sainte-Marie, et Kosala jeudi, justement, Pona Kokanisa, Kondo, Etienne Tshisekedi, Wamulumba, Asengi d'ailleurs, Nabandekonoso, et pris de bonne volonté, Bazalanaye, parce que Boyebi a créé structure Moko, Yasika Alliance, justement, Yaba Toyo, Baza, pour soutenir Etienne Tshisekedi, Wamulumba. D'ailleurs, je vais lire les alliés Alliance des pros Étienne Tshisekedi ou Amoulumba APTM Namokousse Webi de Sanga Bonganga. Hier côté, on a créé la structure et ça très facile pour nous. Et voilà, Bissok et Pémino Mouké, si quoi autre sur le bon terme, il y a APTM. Donc rendez-vous jeudi Notre-Dame du Congo pour la messe. Il y a Étienne Tshisekedi. Comment Félix Tshisekedi tiendra justement promesse d'ailleurs pour pacifier Est et la République démocratique du Congo dans moins de 10 mois et à fin mandat. Boyebin à 2020, président Tshisekedi à Lobaki que Azako sale en sorte que Kimia Ezonga et Kotanakati ya Est et stratégie, ils ont déjà mis en place. Azako contesté en mot Azotia Tembete, Azako souk na ba stratégie, ou Azako zoa, aye koumé ma bisou na résultat, ya ko pacifié Est, a ke même plus loin pour na ko lobake, a ko se sentir vraiment l'Est na po, ya babengaye, tata mokonzi, topé président de la République, souki Kimia et Koti na Est. Alors, na po soa, il y a Tata Mokonzi à Ekolo, Félix Tshisekedi à Tikali Namokaka 10 mois. Pour ma bengaye, va continuer comme bengaye président parce que bien après, ce qui est à revenir, tu es à cause de la sénateur à vie ex-président. Alors, on a 10 mois où il y a Tikali Namokaka avec cette grande promesse à Sala qui pour nous pacifier Est. Est-ce que Akoko Kako tenir promesse wana sérieuse? Est-ce qu'Akoko Misengo Kino Nasuka? Voilà justement réflexion. Oyo Tokoyoka Bandeko Union Sacrée, Tokoyoka Pe Bandeko ya opposition, Bango Pe Bako Pe sa point de vue na Bango. Par rapport na situation en alors. Ndeko Cédric Tozo Bananayo, quelle est la situation actuellement en tant que politique ba information Zanaengo? Par rapport à la promesse, il y a Mokonzi Mboka 2020, si qu'au 2023, à 10 mois, fin mandat, quel est l'état des lieux et la situation et à Est? Est-ce qu'ils ont changé tout le télémessique à Mboka? Bon, merci Ndeko Jacques Ponamotuna, parce que c'est une question où actuellement, les alliés qui ont dérangé la classe politique, et puis, tu as mis un effort au chef de l'État, au gouvernement, mais qui qu'on mettre en place pour nous restaurer paix mon corps réel dans la partie Est et République démocratique du Congo. Mais à des fois, je dirais, solution mini-chef de l'État APC, surtout solution diplomatique, au stade actuel, et comme il semble un petit problème. Pourquoi? Moi, je pense que nous devons faire ce qu'on appelle un diagnostic sérieux face à cette situation. Parce que, vous savez, Ndeko Jacques, situation qui se vit dans la partie Est de la République démocratique du Congo, et ça lie guère à multiples dimensions. Il y a un aspect, c'est une guerre à des fois et ça lie économique et puis une guerre territoriale parce qu'il y a des gens qui sont en sorte que va récupérer le territoire en Abisso. Derrière la guerre économique, moi je pense qu'aujourd'hui nos partenaires ne sont pas sérieux. Et puis nos partenaires ne sont pas sincères vis-à-vis de Abisso. Qui sont ces partenaires? Non, je parle de la communauté internationale. Parce qu'au stade actuel,
Rwanda fait face, on dit que c'est le Rwanda qui est derrière le 1-23. Bisonyo sort au bout, parce que c'est vraiment un langage où ils allaient même emprunter, parce que même la communauté internationale et même accepte que c'est le Rwanda qui est derrière le 1-23. Mais vous imaginez un 23 qui constitue une force moko négative et puis une petite force, mais Azali le loco faire face contre les États. Cela prouve qu'il y a des histoires où ils allaient à Kubo Mamanakati Nangwa. Parce que Rwanda, eux, plutôt, M23, eux, ils allaient, moi, mouvement, mon corps insurrectionnel. Mais vous verrez, et comme ils ont une dimension, mon corps, il y a qu'à faire face même à l'État, eux, ils allaient à l'armée, mon corps organisé. C'est la preuve à suffisance que derrière le M23, ce n'est même pas le Rwanda, même y compris le Rwanda lui-même, il est alimenté quelque part. Là, nous devons, avant d'avancer sur le plan diplomatique, au stade actuel, il est question à l'interne, tout le monde a une organisation sérieuse. Donc, le chef de l'État, face à ses partenaires, il doit vraiment bien définir la règle du jeu. C'est-à-dire, nous devons voir vraiment sincérité dans la part de la communauté internationale. Parce que si réellement un petit pays comme le Rwanda a coquille qu'on fait face aujourd'hui, tout à l'heure, armée régionale, mais on n'arrive pas toujours à commettre un paiement réel dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, derrière la communauté internationale, vous verrez le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne, tous soient allés compléter la langage d'Abisso, mais la situation allait toujours qu'on se rebondir. Moi, je pense qu'au stade actuel, il est question, sur le plan international, tout mécanisme bien qu'on définit la relation d'Abisso, si par exemple, la relation est bien définie. Moi, je pense que la voie par excellence, c'est nous-mêmes à l'interne, tous mes cas. On viendra justement là-bas à la suggestion. Mais les tableaux, selon vous, ils ont toujours sombre. En tout cas, les tableaux au stade actuel, tous mes cas pour cacher vérité, les tableaux actuellement, c'est sombre. Ça demande vraiment des solutions adéquates pour faire face à cette situation. Jomaïlé, revue de presse, ces jours indiquaient que l'ordinaire du Congolais du Nord Kivu et de l'Ituri est toujours rythmé par les cycles infernales des tueries et autres massacres à grande échelle. C'est-à-dire que le dénominateur commun et loco est pour caractériser est il y a République démocratique du Congo, il y a cycle infernal, il y a tuerie, c'est-à-dire batoubazo, koufa, là et comme il rythme, le loba koufi, le loba koufi, et puis finalement, massacre. Massacre à grande échelle, au gros cas 60 Bakati Kingo, 20 Koto Bakati Makolo, Koto Batoboli Libumu. Alors, Tomé Sani tellement à Makila, Wana, Tomé Sani, Nichoko et Batou, à Kingo et Katani, et comme il est là, seconde nature, seconde vie, Nabiso, et bien voilà. Donc, même sur le Baoki, Batou Bakoufi 40, et Zosa la Penza, Biso et Lokoli Soussou, il y a grave Penzate. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas évolué d'un seul iota dans la situation est RDC? Déco Jacques, merci pour Namoutou Nanayo, parce que vous savez, la question sécuritaire, c'est toujours la question fondamentale. Alors, la première des choses qu'on a pour les comme réponse directe, c'est que l'amélioration est allée dans l'aspect sécuritaire. Pourquoi amélioration est allée? Parce que tout à l'heure, là, on a commis un indicateur. Amélioration et Zali. Vous allez comprendre que la paix est un processus. Pacification est un processus. Pourquoi est un processus? Je rappelle pour me situer, de quoi j'ai 4 unions sacrées à lobby. Non, le tableau est toujours sombre, il ne faut pas se voiler la face, mais il y a lobby, non, il y a des améliorations. Oui, il y a des améliorations, exactement. Il y a unions sacrées. Exactement. Cette beauté du point de vue idéologique pour Koloba, Makambo et Talimboka. Alors, moi, dans le lobby, la paix est un processus. Alors, le quoi est un processus, il faudrait qu'on entame un mécanisme pour qu'on ait un processus, pour qu'on concrétise un processus. Vous allez savoir, Félix Tshisekedi, tant qu'on a eu pouvoir, il a opté par rapport à diagnostic ou à Salaki, autopsie ou à Salaki, il a opté de travailler sur deux fronts, sur deux dimensions. La première dimension, c'est une dimension interne et la deuxième dimension, c'est une dimension externe. Dans la dimension externe, Félix Tshisekedi a opté à réchauffer et à restructurer les relations diplomatiques entre l'État congolais, Naba et l'État Moussouchou. Du plan de vue interne, Félix Tshisekedi a tchaké en application article 85 où ils allaient mettre en application état de siège. Alors, toujours quoi avancer? Les deux dimensions, dimension interne et dimension externe, il y a des acteurs internes et il y a des acteurs externes. Alors, il y a des acteurs externes, il y a les forces qui ont instigé
d'une manière indirecte, il y a ba force au Ebanda qui ont instigé d'une manière directe, il y a aussi des multinationaux au Ebanda qui ont instigé. Alors, il a fallu commencer d'abord à redéfinir cartographie diplomatique, il y a Congo, il y a Libanda. Pour redéfinir Yango et Zalaki, il faudrait Kokota en contact na ba état ebele, il fallait Kokota en contact na conseil de sécurité pour na au fait que kozwa musisa ya likambu. Musisa ya likambu parce que musisa ya likambu ezali comment dirais-je ezali RDC na ba potentialité nango azanango. Alors il fallait que Kobana va contacter on a Félix Tshisekedi a bandi va contacter on a vous allez comprendre qu'il a comment il a entrepris plusieurs voyages, il a côtoyé plusieurs chefs d'État, plusieurs gouvernements pour na à co-tendance na bango. Là, c'est la dimension internationale. Alors, dans la dimension interne, Félix Tshisekedi a compris une chose que il y a outre l'armée au Israël qui n'a pas problème, mais il y a aussi des personnes, des Congolais Oyo d'une manière directe et indirecte, parce qu'on a connivence pour na ko pesa ba groupe armé wana makasi. Alors, c'est pourquoi l'état de siège est chamaki. Quand l'état de siège a été mis en applicabilité, vous allez comprendre que il y a plusieurs groupuscules, il y a réseau, il y a batou, il y a ba congolais, ou ezaki démantelé, ou babana qui coalimenté. Vous êtes journaliste avéré, vous aviez vu combien de ndako bakanga bana ba minduki, combien de bateaux babana ko alimenter ba groupe armé na ba denrées alimentaires. Alors cet aspect des choses a accentué sous insécurité. Pour la nuit, a accentué sécurité parce qu'ils ont vu que si cet aspect des choses, cette rigueur continuait, balingaki, quand je dis balingaki, ces personnes là qui exploitent directement ou indirectement le Congo, balingaki va perdre avantage dans l'exploitation illégale. C'est pourquoi il fallait encore accentuer. On retient que par rapport à la situation est, les efforts ils appuient dans les démarches, les efforts ils appuient dans les préalables. Il y a eu des avancées. Oui, il y a eu des avancées. Pour ceux qui vont avancer, ça va quitter Ndegojak. Vous allez comprendre aujourd'hui. Il y a un point très significatif dans la carte d'insécurité, c'est que Félix Tshisekedi a réussi à faire parler les langues internationales. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'insécurité à l'est du pays, personne ne va se voiler les yeux pour dire que c'est le Rwanda qui instigue les M23. Cet élément de choses était un élément ambigu dans le passé. Parce que dans le passé, on avait cette ambiguïté ou cette... comment dirais-je, Nanini, Babanaki Kozala n'a point d'interrogation pour nous dire est-ce qu'ils sont Rwanda, est-ce qu'ils sont Rwanda. Mais aujourd'hui, à l'interne comme à l'externe, les langues disent que c'est le Rwanda. Alors, c'est une démarche que nous allons à une autre démarche. Après ça, c'est une autre démarche. Et vous allez comprendre que Félix Tshisekedi a pris du temps. Il a pris du temps en interne pour nous réformer appareil Oyo, Izalaka, très important, appareil militaire. Comment Félix Tshisekedi tiendra sa promesse de pacifier l'est de la RDC dans moins de 10 mois de fin mandat? Azokoma, justement, n'a souk un mandat naïe, il ne sera plus président, en tout cas ex-président comme Joseph Kabila, ce qui possibilité, nous suis à deuxième round de PSAMELI été. Alors, il a promis en 2020 que vraiment, à quoi se sentir à l'aise, ce qui a Silici, Makambo, il y a Est, d'ailleurs, il a dit, il avait promis de faire du rétablissement de la paix dans l'Est sa priorité. Alors, où en sommes-nous? Est-ce qu'il tiendra à promesse? Papimba, il y a PPRD, à Zanabiso et Longo. Mais justement, Papimbao, par rapport à Yakota, la promesse à président, état des lieux sur terrain, rien ne marche, ça ne va pas, tableusombre, il y a quand même des améliorations. Est-ce que la situation évoluait? Est-ce que le président, dans sa promesse, a Zako activé un bon effort sur terrain? Oui, Ndeko Jacques. Dans ce pays, je salue mes co-débatteurs. Je m'excuse pour le retard parce que l'embouteillage est au rendez-vous. Bon, je pense que tout d'abord, on doit expliquer les Congolais. Répondre sur la question des promesses de M. Tshisekedi, c'est comme si vous prenez l'eau, vous jetez sous les dos des canards. Une fois les canards bougent, il n'y aura plus les traces que nous à ce panama qui maille.
vernissage, il y a livre de promesses non tenues par M. Tshisekedi. C'est pour bientôt, chez nous, au PPRD, rédigé par Aristote Ngarimi. Mais où me lire, hein? Non, bon, il y a des raisons, parce qu'on a déjà multiplié des exemplaires. Je pense que vous allez animer Mbakambo Togo Salanango na Pullman. C'est pour bientôt. Et il s'est ajouté encore une autre promesse, étant un pays francophone, mais M. Tshisekedi a promis encore de perfectionner l'anglais. Qu'à la place de perfectionner Kikongo ou Swahili, qui sont des langues naturellement et à Congo, la langue nationale, mais non, on doit perfectionner l'angle où il y a l'yabisoté. Voilà la raison pour laquelle même Makambo Kotuna est en sécurité, nous sommes en confusion. Pourquoi est-ce que j'ai évoqué ça? Ndeko, ici, quand nous parlons de la sécurité, il ne faut pas avoir des sentiments partisans, parce que nous sommes membres de l'Union Sacrée, ou soit nous sommes tshisekedistes. Donc, tu es aujourd'hui membre de l'Union Sacrée parce que tu as la sécurité au moins. Il y a Kobi Manandago na yo, ou ya wana émission. Mais Abunagana aujourd'hui, nos frères et sœurs qui sont à Bounagana aujourd'hui sont à l'incapacité. Il y a que ça là où tout ça n'a eu à se faire coloniser par les M23, torturer, tuer. Là où le FARDC, sous gestion de M. Tshisekedi, le roi soleil, Baloba qui est là, ça lui retrait stratégique pour protéger la population. Or, la population là, abandonnée à son propre sort, torturée comme il se doit. Non, Ndeko, quand tu dis qu'il y a les avancées, il faut les déterminer sur le plan technique. Il n'y a pas les avancées. Quand tu dis que non, par le passé, Rwanda, Babanda, Koulobate, Kéyende, Moutabanda, Kouataké, Bissou. Donc je comprends qu'à l'époque, là, tu ne t'intéressais pas à la politique. Parce que si tu t'intéressais à la politique, tu allais comprendre qu'est-ce que Congo, tout ça, là, pour la Rwanda. Je tiens à te corriger tout de suite. Est-ce que tu sais qu'à l'époque de Kabila, malgré on ne faisait pas de bruit, tu sais que Kabila a réussi. Il y a un financement de l'Union européenne dans Rwanda pour financer Bango pour bazar la bocage au Bali Nangolelo. Kabila a réussi à faire ça. Parce que Rwanda a agressé la République démocratique du Congo. Soutenir Rwanda, c'est soutenir Maïma Koleka et Mabé na Congo. Tu réussiras ton katayango. Mais les Jacques, tu sais, Rwanda va soutenir na combien de millions sous régime à Tshisekedi. Et ce n'est pas si longtemps à Zongi Bango. Avec soi-disant la diplomatie agissante de M. Tshisekedi. Bazongi Sali Bango Mbongo. Token de Moussika, Mbawara Bazongi Sali Bango, c'est pour faire quoi? C'est pour que va former armée na Bango Sousou Kitoko. Va fouta bato, va recruter Kitoko. Va débaucher même les soldats Nabiso Bako Machibango, mais ils sont dans la capacité à foutre Bango. Parce que tu ne peux jamais faire la guerre tant qu'il y a l'île dans mon soloté. Ex-président de Kenya. Babé ici à Zaka médiateur et à Makambo à Bango, mais c'est Tshisekedi est allé chercher. A l'obi que non, parce qu'il parlait ça en soi, il est bien l'obi à mon français. Vous avez des enfants, Bako Ela Lilala, Poba Bakabola Yango, mais Moussousou a mis ça toyer, Ali na Lilala te, Ali Poa Kabola Batu Baba, Yayana Lekimi Balona Bako Bundapona Lilala Wana. Aussi longtemps, troisième année, wana. Yébe ali na posa ya kozwa lilala wana. Posez-vous la question. Est-ce que troisième waye ko kabola bango? Est-ce que akotike la bango lilala wana? Il va sisser l'égit tout parce qu'ali na makasi. Jusqu'à ce qu'akotike ango poso ya pamba abouaki. Même les deux là n'auront pas la possibilité ya kozwa jiwana. C'est trop fort! Il a dit où na basizo bazaki na meseti lombo na Kenya pona ko yo ki sabango na M23. Mais bana mi balé bako bunda za banane. Bisona ba voisin oyo les frères de meseti lombo. Mais meseti lombo a cherché trois personnes pour venir nous partager ce qui c'est l'EAC. Donc même le président de Kenya fait partie ali membre alobi ke non ata bango ba nilotiki ba yo kabola biso ba envie ka Congo. Ils ne peuvent jamais laisser Congo Mobimba. Il ne faut pas y barber, nyon surtout. Ok, Moussika, Kakuta Mousséfeni, c'est lui qui, même son enfant, commence à cracher quand il se réveille à l'amour qui il faut checker des adultes à cracher. Il dit quoi? Aucun pays dans le monde peut compter sur l'armée Yalibanda. Quand vous avez l'habitude de nous inviter, nous, de l'extérieur, pour venir
s'impliquer na nini na mapinga ya bino ya kati, c'est comme si un corps yali kobika na sida. Donc corps wa yali kobika na sida ba cellule na nyo surtout yali affaiblir. Donc image ya bambolongoro yali banda yali sida ekoti na nzoto. Mais lorsque Kakuta a dit ça, monsieur Tshisekedi, monsieur Tshisekedi n'avait pas compris le message à toi qui n'a pas compris là. Aujourd'hui, les avancées que non de quoi les avancées, oui. Est-ce que tu peux prendre le courage aujourd'hui dans la caméra, expliquer aux Congolais que gagne Congo sur le plan économique tout en état allé assez? Que gagne Congo sur le plan politique en état allé assez? Que gagne Congo sur le plan sécuritaire tout en état allé assez? On aura le temps, il y a. Et je chante par là, Ndeko. Quand vous voulez parler les avancées, Ndeko, c'est pour cracher là-bas, mort ou pas. Tu sais ce qui s'est passé hier à l'Est? Nini. Comment ça, j'ai dit jusqu'à samedi? Tu sais ce qui s'est passé à l'Est? Mais au moins, si toi, tu es libre, tu manges, tu sais combien de nos Congolais qu'on a tués à l'Est. Et plus grave encore, c'est quoi, Jacques? Dernière localité, Bautikozoua. Mais ici, M. Tshisekedi et sa bande sont allés en Angola pour nous dire que non, d'ici 48 heures, c'est l'effet, il y a M23 qui a été à Congo. Mais Jacques, après 48 heures, c'était des tueries et comme Mabamboka. Mais place EAC Ezali, zone tampo. Mais zone tampo, M23 est traversée en haut. Et où tu causes Ali Soussou et Ngumba Moussous. Mais la zone tampon nous sert à quoi? Merci. Mais aujourd'hui, j'aurais souhaité, moi, qu'à ce qui concerne la sécurité, je n'ai jamais été sentimental. Mais c'est ce qui est à pleurnicher devant un petit général de l'EAC. Boyo ke la biso mawa, boza la kana kontna mawa ya ba Congolais. Mais ça, c'est quel milieu? Ce sont les évolutions au de Bonanga. Il y a M de quoi? Mais que évolution, c'est quand notre chef d'État, chef de l'État, se tient à pleurnicher devant un petit général qui n'est pas même au rang. Il y a général Oyoya à nommer Azali chef d'état-major. Non, Jacques, aujourd'hui le pays est enfoui. Pour chiter, Rolenso a dit à leur mentor, M. Tshilombo, tu ne maîtrises rien qu'à ce qui concerne la sécurité. Va consulter ton prédécesseur Kabila, qui a la maîtrise de l'armée, la politique que toi tu partages. On en parlera, Papi Mbao. Alors, Cédric Mongongo, est-ce que depuis promesse, tu sais qu'il dit, car au commissaire, le rétablissement et peine à l'Est, il y a Congo sa priorité, na 10 mois où il y a Moussa la Isaac aussi, là, comme président de la République, est-ce que Félix a-t-il fait ce qu'il pouvait faire? Est-ce qu'il a tout fait en termes de stratégie? Est-ce qu'Abimissi Bakar touche la nuance? Bon, Ndeko Jacques, vous savez, moi, ambivalence d'idée, Ndeko Nangaï, il y a MDECO. C'était juste au sens, il y a instauration, il y a paix réelle dans la partie Est. Là, tout le bas la vérité, jusqu'à preuve du compte, paix et son inonde selon la volonté du chef de l'État. Et même le chef lui-même sait que. Mais en termes des avancées, Ndeko Papi, il faut être reconnaissant. Va dire à la télé que le gouvernement est en train de déployer des efforts aux alliés à impact visible. En termes d'avancée, là, ce n'est même pas question de dire. Parce que ce qui est le Olingi, au Mekako, dissocier apport Nabiso sur le plan international, apport il y a pouvoir, en termes de régler. Parce que les conflits, c'est à double dimension. Je vous ai expliqué dans mon introduction, il y a la guerre économique. Et puis nous avons aussi la guerre territoriale, parce qu'il y a des gens qui convoitissent en mal nos richesses. Peut-être Bino Bolinga qui veut régler un style, Bino votre assise, c'était pas les Congo qui gagnaient, c'était plutôt la communauté internationale derrière tous ces agresseurs-là qui profitaient de la richesse Nabiso. Mais quand le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est là, il a essayé à mettre un peu qu'on décrit la situation. Et puis c'est la République démocratique du Congo maintenant qui va gagner par rapport à cette situation actuelle. Qui va gagner? Excusez, j'ai dit, mais qui peut évoquer ma situation est belée. Olobi, quel est l'apport à EAC? Mais moi je te dirais, allez-y vérifier, qu'il y a des côtés de la vie, étudiant, on va aller dans la zone. Auparavant, ils payaient des frais académiques dans un prix mort exorbitant. Mais les lots, ils payent comme les nationaux et les pays. Voilà, ce sont des avancées sur le plan économique. Je te dis, en termes des avancées, essayez de demander à nos commerçants pour la salle opération économique dans la zone. Ils vous diront qu'il y a des avancées en termes même de taxes.
Il ne faut pas oublier cela. Est-ce que Tshisekedi tu sais a-t-il le fait tout ce qu'il pouvait pour tenir son engagement? Oui, de Kojak. Parce que face à cette dimension, il faut régler à deux volets. Sur le plan interne et comme sur le plan international. Que faut-il faire sur le plan international? On a essayé à utiliser rhétorique. Aujourd'hui, nous n'avons pas patrie à quoi qu'il y ait. L'engagement de la République démocratique du Congo s'est partagé à la communauté internationale. Si par exemple le Conseil de sécurité, Bazalik, cité le Rwanda comme agresseur à la République démocratique du Congo, ce langage n'était pas utilisé pendant les 21 années. Bon, Bazalik, oh, aujourd'hui, tout le monde sait que M23 s'est alimenté. Na Rwanda, c'est alimenté dans certaines communautés internationales. Parce que communauté internationale, quand on parle de communauté internationale, voir que ce sont des systèmes. Il y a des systèmes aux alliés qui appuyer Rwanda. Aujourd'hui, moi, je pense que ce que les chefs de l'État Félix Antoine, au travers de son gouvernement, ils ont utilisé, il y a des avancées significatives, Ndeko. Et puis, en termes même, Toki, en termes de morts, s'il faudra établir un tableau, vous allez se rendre compte que les morts enregistrés sous le régime précédent et les morts enregistrés actuellement, en termes même sur le plan interne, Ok, même en termes, il y a nombre de groupes agresseurs sous régime précédent, vous verrez qu'il y avait beaucoup de groupes. Actuellement, vous ne parlez que du M23. Le M23 n'a pas opéré seul. Il y avait beaucoup de groupes. C'est grâce au gouvernement Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, on a essayé à décrire la situation au clair. Là, ce n'est pas question de Moutakoubi, qu'on voit le Kouana. Merci. Je rappelle d'ailleurs que par rapport à la société civile, il y a Kouana Balobi pendant l'état de siège, le nombre de morts et Mekai Koumata par rapport à avant état de siège, on n'a pas de chiffres précis, mais je crois qu'on avait Michel Emso précédente, tous ceux qui étaient à Kolobelango. Mais je vais te brandir une phrase au réagir avant Joe Azoa Maloba. On ne nous écoute jamais. Nous étions contre l'adhésion précipitée à la communauté de l'EAC car il fallait mettre de garde-fous. Francine Moyumba, sénateur, sénatrice, FCC. Non, dire que c'est précipité, c'est faux. EAC a existé beaucoup d'années. La République démocratique du Congo a-t-il quoi d'arrêter? Aujourd'hui, on parle le nom de la continuité à l'État. Quand le président Félix est arrivé, il a pallié face à la situation. Il a essayé pour ça un diagnostic mon sérieux. Il a trouvé que c'est opportun au stade actuel. République démocratique du Congo, Togo vivre comme un État isolé. Il faut appartenir à l'organisation Moussous. C'est d'abord pour vendre même image sur le plan international. La souveraineté n'est pas seulement interne. La souveraineté est aussi internationale. Un État normal au stade actuel, Togo vivre isolement. Il faut toujours qu'on s'associe. Même face à la situation autosalique qu'on vivre actuellement, sur le plan économique, si aujourd'hui on n'arrive pas, il y a qu'on partager l'âge de mon corps. Nous n'allons rien faire. Peut-être dire qu'il y a certaines personnes qui sont animées de mauvaise foi. On va aller vraiment content de la vie, même encore réalité. Là, c'est peut-être à l'interne, il faut maintenant qu'on définisse nos relations. Merci. Joe Maele, je te rappelle, tu as une rappelée histoire Mingi. Est-ce que Oyoka Sango que M23 a quitté fin en 2013? Il y a aucune information. Nayoka Sango, que Mamadou Ndala a gagné M23. Natumi, Oyoka et M23 a coupé. Nayoka Sango, que Mamadou Ndala a gagné M23. Ok. Siko, comment expliquer résurgence Wana, Bolamouki Wana M23, juste après 2013, M23 à Lamouki, il n'y a pas longtemps, hein, je crois que ça fait une année ou deux ans, en tout cas, année ou Tikoleka, M23 à Lamouki, Lissouzou. Comment au Congo expliquer politiquement et sur le plan sécurité ce qui s'est passé? Alors, Bolamouki Wana, c'est dû à. C'est après la promesse, il y a Félix Tshisekedi. C'est dû à volonté, il y a pacification effective, il y a Est. Parce que. L'Est est un parti stratégique où on exploite illégalement les minerais. Alors, tout ce qui exploite illégalement les minerais savent aujourd'hui si le Congo, la partie Est, Azana Kimia, il est serein, ils ne vont plus exploiter illégalement. Bako Kota n'apporte légalement et quand on vient légalement, c'est l'État qui va fixer les procédures, il y a exploitation, il y a vente, il y a minerais. Vous allez comprendre, et là, M. Bango, naviguer peut-être dans 100 dollars illégalement. Mais lorsqu'ils vont vendre, lorsqu'ils viendront acheter légalement, prix à coltan et gomata. Alors, vu la volonté, voilà, ils ont compris, Namusika, que tant que tu as des sièges et tchama qui ont applicabilité, ils ont dit, ce qui est au lobby, tout ce qui est logo, tu perds. C'est pourquoi ils ont accentué. Accentuation, c'est quoi?
c'est résurgence, il y a M23. Accentuation dans c'est Nini, c'est armé le M23. Donc, pas a... prédateur, pas pilleur, exactement. Dans la mousse M23 pour des intérêts. Exactement, okay. Pour des intérêts, parce qu'ils ont vu en Félix Tshisekedi les pacificateurs. Ils ont vu en Félix Tshisekedi la personne idéale et la personne appropriée au Ringa Kozong qui s'appelle l'Est. Il faudrait savoir une chose, M. Jacques. Nous voulons la paix à l'Est, mais nous voulons une paix qui doit être durable, une paix qui doit être totale. Alors, moi, je vais revenir deux secondes à ce que mon ami papi... Mais au lobby, le prédateur, parce que balinga coincé bango. Mais est-ce que les appels régimes de M23, il y a un qui a 14 mois, Kinshasa, on a besoin de vous. Non, je ne pense pas. Je pense que il y a plusieurs tests qui sont développés. Mais les lots qui... Aujourd'hui, M23, ce qu'aujourd'hui est contenu à M23, vous allez comprendre que si je navigue dans l'hypothèse dans Oyo Lobiwana, au moment où on va former M23, ça va être Oyo Lobiwana. Les M23 aujourd'hui, ils allient groupuscule, il y a beaucoup de personnes. Dans le groupuscule, pour nous, on peut savoir vraiment ma quantité, ça groupuscule, il y a beaucoup de personnes. Et il y a plusieurs nationalités qui sont à l'intérieur. Il y a quelqu'un à Kinshasa, oui ou non, approché par le régime? Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Bayate. Bayate. Parce que déjà bateau au Bayé na Kinshasa. Bagoza suna komo ya M23 te po. Mamadou na la gagné bango. Ce sont des Congolais au Bayaki. Ce sont des Congolais au Bayaki ou Bazanga. Au moins Bayaki. Ba Congolais Bayaki mo bazaka na bazaka. Au Bazala qui peut-être na ba revendiquer quelque chose. Bayaka quand même. Au Bazala na ba revendication. Sur Bazaka na besoin de reprendre. Non, en fait, on a un monsieur qui est ouvert au sommet de l'État. Okay. Un monsieur qui est pacifique, il a redéfini la proximité communicationnelle avec sa population. Parce qu'à part Mobutu, il a une proximité communicationnelle, wana azate. Il a redéfini cette proximité. Ce qu'il y a solo, là, par exemple, dans Ndeko Jacques. Bon, Ndeko Jacques, il a une revendication. Bon, Bobé, il y a Ndeko Jacques, il y a un solo là. Est-ce que ça m'a bien? Et ça m'abête. C'est que la thèse de Kigali serait vraie. Il y a pour le M23 sur notre affaire. Non, ce n'est pas notre affaire. M23, c'est ça la proximité. Qui bateau Bazala va donner? Non, non. Alors, qui va monter de Gojac? C'est quoi? Bateau Bazala qui défait par Mamadou Ndala. Bateau Bazala qui défait. Échantillon Moko. Bazala qui n'a qu'une chasse. Ils ont voulu entrer en contact avec le gouvernement congolais. Parce que M23, ils ont qui groupuscule. Mais. Nakati a groupuscule, on a quelques personnes, échantillons, on a des gens qui ont gouvernement. Ils ont parlé au Mamambo et Ferba Solola, comme ça relève un peu de l'intimité, Basolola, que vous faites Basolola. Mais ce n'est pas. Non! Allez-y, allez-y. Il y en a des compréhensions. Félix, tu sais que Dassolola qui n'a pas tout à l'heure dans M23. Le gouvernement Félix, tu sais que dit. Le gouvernement Tshisekedi, oui. Bah solo là qui na M23. Pas M23, il a dit M23. Na tout le monde quelques Congolais qui revendiquent. Quelques personnes on a M23. On n'a pas connu le M23. Quelques personnes. Biso M23. Bon, il y a ex M23. Et quelques personnes voilà. Bah solo là pas le M23, les Congolais qui revendiquent. Solo là nini. Bah solo là nini. Mais tant que bazaine ba revendication de Gojak na tout ni hein. Tant que bazaine ba revendication bon. Baillé. Un gouvernement responsable au Sahel. Un gouvernement responsable. Un gouvernement pacifique au Sahel. Au Solana. Comme ça relève de la sécurité, il y a certaines choses qu'on ne peut pas propager ici. C'est pourquoi, quand tu approches Bango, quand est-ce que tu as commis à Rwanda? Alors, Bakomi ya Rwanda, quand est-ce que Tamba Bazongi, je m'excuse, Tamba pour parler aussi là, il faudrait que vous que. Il y a des groupuscules moussousou au Bazaki na Bazamba, Bombama qui na Bazamba. Alors, vu applicabilité à M23, et vu applicabilité à état de siège, tant au monde état de siège, ils ont compris que, ah, toi, sous la place sur les gâtés, il faut te matisser à toi. Je te prends une déclaration politique, tu réponds, Papimba Okozomaloba, nous sommes face à un pouvoir qui ne comprend rien et donne l'impression de tout comprendre. Je pense que Moutoua Lobiango a s'assumé dans ma propos. Mais quand il dit un pouvoir qui ne comprend rien. Mais qui donne l'impression de tout comprendre. Moi, je pense que c'est banaliser les efforts et à bateau basali qu'on gérer et puis c'est minimiser et puis dénigrer les chefs de l'État. Je ne pense pas. Parce que si on avait un gouvernement qui ne comprend rien, si les lots, ou non, les lots,
mécanisme mon côté est à la pacification, est à un domaine économique, est à un domaine politique et à la mise en place. Non, la personne qui a dit ça, je pense que à mon humble avis, je pense que si à dans la tendance je pense aussi, mais je pense nous t'allons bien parce que les propos c'est diffèrent toujours par rapport au temps. Les propos c'est diffèrent toujours par rapport à la tendance. Mais moi je vais 30 secondes. Okay. Ndeko Papimba où il parle de l'anglais et du français. Qui est négocié, qui devait perfectionner l'anglais. Non, moi je n'ai pas dit le français. Non. Vous avez parlé de la perfection en anglais et en français. Non, voilà. Anglais. Voilà. Il mais c'est ce qui devait perfectionner l'anglais, valoriser qui Congo et. Mais Ndeko Papimba, moi je vous reconnais avec cette qualité d'un intellectuel assidu. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en train de voyager dans la sphère internationale, la langue dominante, c'est quelle langue? La langue dominante, les lots dans la sphère internationale, c'est anglais. Anglais comme langue des affaires. Alors aujourd'hui, exactement, l'anglais c'est langue des affaires. Alors, n'entrons pas dans un débat linguistique. Parce que Ndeko Papimba, aujourd'hui, ce que vous avez dit, je suis sûr pour Yébiango, mais vite tendance politique, nous avons dit que nous avons dit que nous avons les démarches, pourquoi les indicateurs, où est-ce que Congo, à côté de la partie intégrante, au Yébiango, étant qu'un intellectuel, enlevez votre casquette politique au Yébiango. Une organisation internationale, lorsqu'elle est créée, il y a toujours des indicateurs, de motivation, il y a organisation internationale, la motivation est géographique, est la linguistique, est la sociopolitique, est la culturelle. Mais lorsqu'on prend ces différentes motivations, nous allons comprendre que le Congo a des points communs culturellement avec Bande Gonabiso et Est. Le Congo, du point de vue géographique, a une entrée naïve partout parce qu'il est au cœur de l'Afrique. Le Congo, du point de vue socio-anthropologique, a partagé un groupe ethnique, une grande couche ethnique entre le pays à Est et Nabiso. Par exemple, si je prends groupe ethnique bantou, groupe ethnique bantou, ça se trouve ici au Congo, ça se trouve aussi au Rwanda parce que les Hutus sont les bantous. Si je prends les Nilotiques comme grand groupe ethnique, les Nilotiques se trouvent ici au Congo. Quand on parle des allures, ils sont ici au Congo. Les Nilotiques sont aussi à l'est là-bas. Quand je parle des langues, les langues maternelles, on prend les Swahili ici, les Swahili aussi sont là-bas. Alors, ce sont des motivations qui ont fait que... Je crois que Ndeko Papimba, on y est en côté. Il y a seulement une chose, c'est sa casquette politique. Il faut valoriser la Alors, il dit aussi que, selon ces chefs de l'État-là, il faut que je finis par là que Félix Tshisekedi a consulté Kabila il faut qu'il rectifie au PC déjà mis au point les locaux moko il y a langue tant que je suis maloba au kubak c'est susu mususu alors Ndeko Papimba je prends justement maloba est président na dernier conseil des ministres et Salma qui vendredi passé Félix Tshisekedi on ne sait pas est-ce que bon à l'obi dépesanteur fonctionnel affecte l'action de la force régionale de l'EAC dans l'exécution de son mandat. Pour Nafeli Tshisekedi, sans le citer, à l'obis comme si ils avaient dit l'eau mouru nassé et zobendaka force EAC basala moussa na bangote comme il se doit c'est un mandat na bango. Pour Nafeli Tshisekedi, il a dit au ministre à l'obis que mandat y a EAC y a force EAC ils a un mandat offensif. Et ça mandat au Bunda, et ça mandat au Téléma, la zone tampontée. A Pessi ba élément à l'obi, fondement d'Angweza, résolution, il y a conclave à Nairobi, et ça magna avril et juin 2022, puis communiqué final, il y a mini sommet, il y a Luanda. Alors, deux instruments, il y a mon déjà fondement juridique, et Pessi justement, ma coquille, wana na EAC, Babunda. Or, tu as dit que commandant, il y a EAC à l'obaki, non, bisou, tu es pour la interposition, et non, pour la Bunda. Na place Nabino, il a dit en présence il y a général Nabisso. Alors, président a dit, monsieur Téba présenteur, on a fonctionné les années. Mais comment y ont en tant qu'analyste au combat et là on est mis au que bateau basan un mandat offensif, mais ils ne savent pas combattre. Non, Ndeko Jacques, tu sais, c'est ça tout d'abord le grand problème. Avant d'adhérer, il fallait qu'il tout comprendre, méandre, aïe, aïe, c'est ça le grand problème, Ndeko Jacques. Écoutez, quand ça qui concerne la sécurité, je vous ai toujours dit, quand je parle sur la question de sécurité, là, je suis congolais, je suis PPRD parce que Congo n'a pas été Congo. Parce que le lot qui Congo est je ne vois pas où je dois aller faire la politique parce que je ne peux jamais changer de nationalité. Ndeko, quand tu dis que non,
les lots par rapport, bon, avant qu'elle n'en réponde des questions, non, Jacques. On l'oublie que non, dans l'espace, il y a EAC, les lots par étudiants, ou par banda, ou tanga, na bambou, kawana, et d'ailleurs, où on n'a pas trouvé par l'université, où ils allaient, par l'influence, makasi, où ils ont trouvé, ou l'oublie, là, ou, ah, ou, bah, qu'on foutait Minerval, il y a assez. Non! De quoi tu es allé adhérer à EAC dans le contexte Nini. C'est ça le problème. À qui est-ce qu'on adhérer à EAC? Des avancées, papa. Sois calme. Sois calme, maîtrise-toi. Non, vous êtes là. Elle a qui est-ce adhérer à EAC? Le premier principe, Oyo, à la qui s'abissoit, c'était quoi? Ramener la paix à l'Est. Il n'est pas allé adhérer à EAC pour que Baye s'abissoit que Minerval, il y a un peu de temps, il y a un peu de commerce n'est pas que ça dans l'espace. Donc la motivation est sécuritaire. Mais oui! Motivation est sécuritaire. Maintenant, toke totanga na nubuku, oyo et pesi ningisa ya fonctionnement na attribution ya EAC. Assurément, c'est ce que tu viens de lire ici que non. Les générales viennent de dire que non. Toye, toye pona kobundate. Mais c'est écrit na charte na bango. Et ils ne pouvaient pas aller au-delà de ce qui fait l'objet et l'existence de ce basement juridique Nabango. Mais lorsque nous, on les appelait, est-ce qu'on avait eu le temps de lire leur sous-bassement juridique qui doit faire l'objet d'existence Yabango Namabele Nabiso? Le président du Conseil des ministres a évoqué résolution en conclave, il y a Nairobi, a évoqué ministre Omer. Mais voilà! C'est une contradiction de fait déjà. Parce que le Conseil des ministres a évoqué le conclave et intervenir. Après déjà affectation, il y a EAC. Donc le conclave voilà, est intervenu déjà après affectation ou déploiement y a Batouana. Mais avant déploiement, voilà, est-ce qu'il n'avait pas eu le temps de lire et comprendre cela, Jacques? Mais on sent ici la sincérité de Félix Tshisekedi parce que sur France 24 RFI, président Alouba Engo clairement. Force régionale d'ailleurs, Bazakoya, c'est pour frapper. Bah, voilà. Pour frapper. Journaliste a complété d'ailleurs. Donc le président était très convaincu qu'effectivement, frapper pour Salima. Mais qu'est-ce qui fait que, même le président a été contredit, là-bas, fait sur le terrain, Batongo Bundarate, Babalou qui va commencer à l'autre chose. Mais c'est ça que même il a trahir justement ces mandats à Force régionale. Non, Dekojak. Avant qu'il n'y ait pas trahir dans le Bissot Libanda, tu sais trahir Bissot Moko Nakati. Qui négociait vraiment Batouana Kobaya? Parce que le nilotique là se base sur le sous-bassement juridique où il y a organisé Bango. Est-ce que Totanga yango malamu? Parce que ils nous remettent seulement sur le fait ya oyo Bango bako bika nango avec non notre pifona biso esuki awa to lakisa bino yango boko pesa biso musala o biso toali nango te. Donc cela revient à dire de Kotchulombo qui n'a qu'on négocié, il n'avait pas bien négocié, il n'avait pas compris les objectifs. Il y a EAC. Voilà pour preuve. Au lobby, en gros, général Nabango, à lobby, en gros, Namiso, général Nabiso, avant pas banda opération, à lobby que Toye Kobunate. Mais les chefs de l'État, na France 24, à lobby que nos baye Kobeta. Mais elle baye, une fois basse le point de presse, pour lobby que Toye Kobunate. Pourquoi est-ce que M. Chulombo ne les a pas chassés? Biso Tobeni, Bino Poya Kobunda, mais pour lobby que Boye Kobunate. Ce qu'on voit comme ça. Non, Jacques, écoutez, ici on doit parler comme Congolais. L'improductivité de l'EAC n'est pas souhaitable dans la République démocratique du Congo. Toke kokota na munoko ngando, on fera rien avec ces gens. N'a pas su yo kaka ningisa ya moko na bango le président qui nous dit que non, partage ya orange. Deba na bali ko bunda. Misato aye oyali na makasi koleka bango akoboto la yango assise junior surtout jusqu'à ce qu'a koboaka. Donc c'est ce qui se passe. Olandi Museveni kakuta alobi que non quand vous prenez l'armée étrangère boko konté nango donc cela veut dire que bozu sida boko tisi yango na nzoto baselili ya nzoto est comme affaibli. Donc cela veut dire que la République démocratique du Congo c'est un régime aujourd'hui sidatique. Alors tout se fait compléter c'est la toute. Oui, j'achète par là. C'est pour dire que non, ici je ne peux pas parler comme politique, étant un régime sidatique, selon la déclaration de Museveni, parce qu'il y a Congo. Ndeko Jacques, les ADF créés en 1993-94 par Museveni Kabuta, injectés en République du Zaïre pour déstabiliser notre pays. Mais je me pose la question, Jacques, comment, par quelle magie, on peut encore aller chercher les géniteurs, les créateurs des ADF
pour que ye aya kogoma bana na ye ko atinda ki bango na mission pour que ba réaliser ba chiffre na ye. Mais aujourd'hui Kakuta ali partie prenante ya EAC. Merci. Pour chiter oyebike Rwanda, Uganda, boye Burundi et consort tout le monde là kende sur le plan international place bolingi ko évoquer trop. To ya exportation na bango ya or et bakisami ebele depuis EAC komi na Congo. Il faut suivre l'information. Vous n'êtes pas informé. C'est pour te dire que aujourd'hui, monsieur Tshisekedi, il ne sait plus par où commencer et par où finir. C'est anti-trahison. Ici, ce que nous nous demandons, c'est quoi? C'est la moindre des choses et à ce qu'il y a. Autour de la question, nani a la moussiba M23, mais il faut être sincère. Au lobby groupe, c'est le groupe, c'est les acquis à banane. Naïbis, on se console. Place au bandeau, boya colo, tu gagnes le bélaïo. Mais c'est ce qu'elle arrive au pouvoir. On a remis une histoire. Non, 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 pas M23. Histoire selon la PPRD. Histoire selon la PPRD. M23, mais c'est la même observance de la feuille de route de Luanda par les M23 et ses mentors du Rwanda est à la base de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. C'est une affirmation. Il y a un observateur. Alors, ce qui est bon, que le président, ti vendredi, a dit que le ministre, lui, il est convaincu que Batona Baya qui prend un mandat offensif. Mais Bango Moko, le commandant de troupes, a dit que non, non, il y a un bundate, il y a un téléma. A contredisé le général Nabiso à téléma. Finalement, on fait quoi? Parce que, et ce qu'on a le la tosa sous mon lit, mon côté, tout ce monde a ma camoune, mon côté. Tu sais que, à Tikali, il y a 10 mois seulement la présence taillée. Kagame, Museveni, tu même pas sur la combien d'années, na baba mais beaucoup de zinabango, moi et toi qui peux pas, oh ya Kenya, a oujo kota ne kota. Donc, mutazana moi urgence moko, ya rosa ma kombango parce que zokende, ezende Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que en 10 mois, Tshisekedi peut inverser les choses à Salamakambo, à quoi qui sa promesse naï? Oui, dans 10 mois, il peut faire quelque chose si il y a, comme des, quoi? Si il y a des bonnes stratégies. Quelle autre formule qui peut. Naline, mais quand même pour rectifier le monde de Kopapi, ya outi kolobambao. A aussi que le vélo comme encore que M23 plutôt EAC et Zaki bloc comme mal défini et puis il a dit que peut-être sur une de quoi Bosani mission à EAC à Zaki corriger mission à ONI et à Monisco. Pourquoi? Je t'ai dit dès qu'on en a EAC est venu corriger. Le chef de l'État ne peut pas s'engager qu'au Bakissa au moment où Monisco va s'allier plus de deux décennies la République démocratique du Congo tout le monde parti est extrait qu'on soit pété. Ce sont des motivations qui a poussé même mon chef de l'État à cause ça appel wana parce que c'est pas du nouveau dans Mboka na Biso tout le monde a forcément corps régional et à quoi apporter ses coups dans Mboka na Biso. On a déjà vu ça sous régime na Bangon par exemple ça vraiment les gens moi je pense que au stade actuel c'est question il y a tout sort ça la organisation moko à l'interne c'est-à-dire quand même la République démocratique du Congo tout ça qui initiative à se mettre loi de programmation militaire ce sont des histoires où il faut tout valoriser en au stade actuel rapidement, et puis au stade actuel c'est question République démocratique du Congo tout mécanisme qui diminue le train de vie à institution tout ça moyen on a tout mettre à mon disposition armée nabiso parce que moi je vois que il y a la mauvaise volonté na part yabatoana je soutiens même le langage du chef de l'État dire qu'il y a des forces pesantaires eux ali kobenda batoana. Il y a quand même obscurité dans la carte, il y a gestion, il y a ma force régionale. Voilà. Au stade actuel, si on n'arrive pas. Non, raison pour laquelle, dans mon introduction de Kojak, il okay, faut que je redéfinis ma relation diplomatique. Naviso. Parce qu'en matière, il y a diplomatie, c'est apparence. Pour faciliter la compréhension, ma pesanteur, au chef de l'État, a lobby à Ngoma, Tangi, à Ngote. C'est que je vous ai dit que vous avez un bateau. Effectivement. Parce alors, que pourquoi ne pas donner raison à Mbaou que l'équité musique qui est en train de sauter? Ça peut nous compliquer. Non, pour les sauter, c'est trop dit. Peut-être qu'il faut dire qu'entre les États, nous partageons des amitiés communes. Mais ceux qui ont besoin de déjà mandat, il y a toute une force. Oh, Bissot, toujours lui qui en a Bango, mais Bango va désorienter le mandat. Non, Ndekojak, il faut bien éclaircir les choses. C'est-à-dire, j'ai dans le cas. République démocratique du Congo fait partie de cette organisation. Oui. Rwanda aussi fait partie. Tu veux dire que déterminer relation il y a Rwanda et Angola. On n'arrive pas à décrire relation par exemple il y a Rwanda et Soudan. C'est de là où maintenant ça crée des problèmes. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que la République démocratique du Congo va lingui bisoter, non. Tout comme la au niveau de Rwanda, c'est pose ce genre de questions.
Bah, il y a qu'on définit relation à RDC dans le pays. C'est l'espionnage qui pose problème. Pour dire qu'au stade actuel, maintenant, qu'est-ce qui est vrai? Au stade actuel, ces questions, il y a Bissot peut multiplier service d'intelligence. Pourquoi pas de créer aussi une intelligence congolaise où il y a maintenant peut détecter l'intelligence sabatoire? Utiliser même nos enfants. Ça n'existe pas encore. Non, c'est-à-dire qu'il faut recréer. C'est ça. Si ça existe, il faut encore du nouveau à motiver. C'est l'État à côté de la l'école d'armée. Là, on va me caper qu'il y a intelligence. Est-ce que le non, Colomaté, Colomaté, il y a plusieurs, ne voyez pas seulement au stade actuel, mais il faut aussi voir quand on arrive aujourd'hui à pacifier l'est du pays. Ce que vous allez faire appartenir à cette organisation, s'il le plaît, ça apporte quelque chose, s'il le plaît, économique. Ok, tout ça, oui, tout pacifier, n'a pas tout moussous, tant que tu aussi ça repacifier, tu cocotes. Non, non, même pas. Là, peut-être, il faut dire à l'interne, nous devons s'organiser. Il ne faut pas seulement voir la solution avec Goutakuna. La solution avec Goutakuna. Des fois, elles ont protégé et assez. Non, non, c'est. Oh, mais non, je ne comprends pas. Alors, Joe Maïle, Azako Kosugisa. Mais Joe, finalement, est-ce qu'on peut espérer, dans 10 mois, un miracle? Exactement. Un miracle. Moi, je ne pense pas que c'est sous le rétablissement de la paix à l'Est. Parce que, c'est là, à Bengaki, na message na Yassalaki à la nation, une mobilisation tous azimuts. Mais on ne sent pas cette mobilisation venir jusqu'au point que. La leçon peut venir de l'Angola, le président Lorenzo pour nous dire, mais va parler quand même avec tel, va voir tel, pour que vous maximisez les sous ma réflexion à Bino. Est-ce que ce moment-là, on semble avoir échoué finalement à l'Ikambo-Etali mobilisation en interne? Non, moi je pense que vous allez comprendre que 10 mois au Etikali, et qu'aux à la corollaire de répercussions, il y avait fort une chose seulement qu'antérieurement. Parce que moi, je vous ai dit, il y a l'État congolais, par le biais de Félix Tshisekedi, il y a des dimensions internes comme externes, il y a eu des efforts. Et dans 10 mois, l'interne, au moment où il y a un nouveau recrut, il y a déjà un mot qui est en 4 armées. Donc, il y a 10 mois, non, 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 au fait, 10 mois, il y a 300 véhicules, il y a 10 mois, il y a concrétisation, il y a démarche, il y a pacification, il y a Bandaki. Je parlais de la pacification de l'Est comme un processus. Un processus qui est entamé sur deux angles. Alors, dis-moi où est-il et sa concrétisation. Parce que, dimension, il y a PO et Tshisekedi d'Alingi, et ça a éradiqué M23T. Dimension, il y a PO Tshisekedi d'Alingi, et ça a coupé ça une paix stable et durable. Maintenant, vous voyez, c'est un de il traite le régime Tshisekedi de sidatique. C'est pas mais, moi, c'est non, non, mais par vous, par le trichement de Ndeko Papimbao, par le trichement de Papimbao, moi aussi j'ai dit par le trichement de Joe Mayele, je traite les régimes passés d'un régime cancérigène. Parce que ceux qui ont le sida, ils ont le régime sidatique, je comprends que l'élo, médecine à l'élo, comme il m'appelle, c'est qui s'est sidé, mais cancer est bicaté. Alors, Ndeko Papimbao, le bélo, le moussou, à l'obin de Kotiseke, il y a une haute trahison. Mais Ndeko Papimbao, intellectuel, a verra que l'on va bongoter. Article 60. C'est là. Pour la sida, tout ça, quand même, la télévision est directe. Je crois qu'il faut parler sous réserve. Donc, nous disons aux gens, il faut se protéger, il faut se discipliner. Je crois qu'il ne faut pas. Au préservatif. Je conclue par ça. Tu sais qu'il a fait une haute trahison, mais haute trahison et pas la bichoire constitutionnellement, va définir ma modalité d'ango. L'article 165, on parle de la violation intentionnelle, il y a constitution. On parle, il y a cession, il y a une partie, il y a terre. Et puis on parle, il y a violation grave. Il y a pas de l'homme. Je reçois un sentiment indicateur. Tu sais qu'il n'y a pas. Ah, non, déjà. C'est une diffamation. C'est là, tout c'est diffamation. Tout c'est ici. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dis-moi. Moi, Moko, ils en ont 30. Exactement. Fois 10, ça fait 300 jours. Exactement. Tu es au courant. Est-ce qu'on a 300 jours, Wana? La paix est qu'au Zonga la S. Et qu'au Zonga, je suis certain. Je vous ai dit, merci. 300 jours. Non, même si nous 300 jours, et Zali corollaire, conséquence. Parce que nous avons une notion, il y a causalité. Pour l'instant, comment vous dites Zana, conséquence. Cédric, en 300 jours, un miracle peut se produire. Oui, moi je crois à ça. Merci. En tout cas, dans les 300 jours, une paix réelle. Assemble l'armée Kassi.
est-ce que je crois un miracle Tshisekedi na miracle Tshisekedi na 300 jours au Etikali ya Mandanaï. Non, Ndeko Jacques. Quand mon frère, le politologue de formation, commence à croire dans miracle dans la politique, non, moi, je ne parle pas du miracle, mais je parle du corollaire. Non, moi, je n'ai pas parlé du miracle. 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 J'ai dit que cause à la conséquence, il y a des efforts, j'ai pas parlé de danger à l'île. Oui, aussi ici, aussi ici. Et puis, le que non, il faut tous les gens qui ont été en train de se faire pour prendre l'intelligence à l'île. Non, ils ont déjà un casse écoute. Je suis devant la caméra, je sais de quoi je suis en train de parler. Vous pouvez expliquer. Sans détail. Tu sais tout d'abord, dans le principe bilatéral, lorsque Walingi a changé de téléphone, il faut que le téléphone ait combien de SIM. Et puis, il a la qualité. Biso, avant de adhérer à la SIM, tu peux évoquer que non. Toyebi conflit ni ezali Angola na Rwanda. Non, c'est gravissime. Donc on ne pouvait jamais adhérer à quelque chose au toyebi ba relation na nu ya batu au to ali censé kozana na bango liboke wana place moko sur le temps. Une étude géostratégique. C'est une négation. Parlons de la géostratégie. Non, attends que je chute. Allez-y. Jacques, ça ne peut jamais se faire. Parce que ceux qui bango là nous balé na kokoso bango, censé d'être encore liboke côté na biso. Ba conflit na bango na ça risque de se régler chez nous. Or, l'étude préliminaire tout d'abord exige à ce que sur le plan des services d'intelligence, on devait investiguer et comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, on va mal procéder. Mais oui, et je vais aider. Aujourd'hui, Tanga, nous avons maintenant combien de groupes d'armées? Mais c'est ce qui a eu le pouvoir. Akuta, combien de groupes d'armées? Plusieurs. Non. Plusieurs, c'est il y a quand même 3 groupes. Plus de 120 groupes. Oh, mais aujourd'hui, nous avons combien de plusieurs groupes? Moins de 120 groupes. Oh là là, vous ne sais pas. Et pour dire, moi, je dis ceci. Ouais. Et tu sais, aussi, une erreur grave, qu'à ce qui concerne le service. Phrase non sous quand même. Service et intelligence. Kalamingi tawa, baluna na biso baocho silisa, pour na basala, service à renseignement militaire. On a commis une bêtise. Tu as vu, tokangi bango bilili ba photo, tu as exposé yango. Oh, l'ennemi est en train de suivre. Tu sais que Jacques, la spécialité dans ces services-là, il y a la formation au Moutouako d'écrire Jacques Ndakonaye simplement par ma photo à Kangis Yango. Merci, aujourd'hui, avec le régime finissant, sont incapables de ramener la paix. Merci. Mais c'est Tshisekedi. Mais le régime finissant. Ah, dans 300 jours, il doit partir au Mali. Tshisekedi ne fera rien. Il va partir au Mali. Tu ne crois pas au miracle. Mais moi, j'aurais souhaité. Pourquoi la miracle ne sont pas à l'église? Moi, j'aurais souhaité les indicateurs que non. Premier 100 jours, nous allons imposer ça. Deuxième 100 jours, nous allons imposer ça. Non, il n'y a pas d'imposition. C'est que. Il y a les corollaires. Il y a les. Il n'y a pas de. Non, il y a un mécanisme. On ne peut pas prendre pas de vision. Merci. Comment il n'y a pas de vision? Permettez-moi. Si il n'y avait pas de vision, il était décidé. Oui, bien, on a conclu. Si il n'y avait pas de vision, embargo, il faut aller. Merci. Monsieur Papimba, c'est dit que l'on conclut. Tout ce que Papimba vient de dire. 20h. Merci. Merci. Souffrez de ma dictature, j'ai la parole. 20 ans juste, rediffusion et émission Manix Yenda, 16e jour déjà. Lélo, toute notre solidarité naïe, famille naïe, et voilà, Tozanaye Longo, notre ami Oyo Aza, introuvable. 16 jours après, voilà, émission est disponible en ligne à tout moment. Uroko Landengo, merci, au revoir. Est-ce que la deuxième invitation.